Sortir de mon pays sans rien, c'est pas quelque chose que j'ai voulu ou quelque chose qui était pour moi de sortir sans rien. Je suis arrivée ici juste avec ce qui était important pour moi. C'est l'habit où je mets le jour où j'ai été arrêtée. C'était avec cet habit que je mets sur mon corps. Et arriver ici, c'est le seul ou la seule chose à qui je pense, à ma famille, à tout ce qui est de moi, ce qui sont importants pour moi, de personnes chères pour moi. C'est à travers cet habit que je me vois un peu, je me sens un peu consolée. C'est vraiment douloureux pour moi parce que nous avons lutté de la corruption et de la violence qui s'est faite contre la femme. Et à cause de ça, j'ai beaucoup souffert jusqu'à arriver ici. C'est un peu dur de laisser tout ce qui t'appartenait, mais c'est pas volontaire qu'on est ici, c'est à cause de la vérité, de chercher un jour que le Congo soit ce que nous on veut. Mais hélas, c'est ça la vie.